revenir. Je ferais ça, mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Hey, bonjour Québec! Hein? Avez-vous déjà entendu ça? C'est toujours énorme, puis mégalomane, puis étrange, puis totalement inutile de dire lorsqu'on commence une émission de radio. Bonjour Québec! La ville s'en balance-tu, là? Elle s'en foutu passablement que tu lui dises salut, là. Ce qu'elle veut, là, c'est que l'économie fonctionne, que la culture fonctionne, que les gens gambadent heureux dans une ville qui éclabousse sa beauté. C'est ça qu'elle veut. Elle veut pas qu'on lui dise « Bonjour, Québec! » Elle s'en fout éperdument. Mais Erance Renadine qui dit « Bonjour, Québec! Il a dit « Attends, je fais-tu de l'effet à la ville, moi, là? Là? Hey, c'est pas à peu près, là. » Elle a dit pas Elle fait « Ouin! » Gaétan, c'est comme ta copine. Ah, oh, pas Gaétan! Oui. Hey, Gaétan s'est marié avec Gaétan. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes ici là, qui nous écoutent. Ils sont mariés. Ah, oh, mon Dieu, quelle horreur! On essaie d'oublier, c'est pas cette émission-là. Oui, on va vous le répéter un peu, pas trop souvent, que vous êtes mariés. Pour le pire! Et où est le meilleur? Il est pas là, il sera jamais là. Tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir. Oh mon Dieu! Êtes-vous méchant? Le micro qui tombe, ça fait débander être marié. Le micro en témoigne. Visse-moi ça, ma Gaétane. Comment on visse ça? Là, attendez. On peut pas passer une chanson, hein, non? Il peut tomber en tout temps. Vie agréable. Monsieur Québec, vous êtes là, Québec? Peux-tu, pouvez-vous? Doit-on tutoyer la ville? Bonne question. Mais là, là, je me demande, est-ce que ça va durer, ce petit micro-là? Là? Un, deux, un, deux. Y a-t-il quelqu'un? Le pied, peut-être pas. Ça, c'est l'animateur, le pied. C'est gentil pour le pied. Mais, où je suis, moi, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Bonjour, bienvenue à Errance Renadienne. Bonjour, Québec. Êtes-vous là? Ben oui, c'est ça. Hey, avant que tu tombes, toi, là, ben, que le micro tombe. Il y en a pris pour... Hein, quand tu parles de mariage, là, ça fait des... Quand tu penses au mariage, tu ne demandes plus la pendaison, papa, ça ne se commande pas. Ah ouais, micro! Reste... Toi, ta mission, c'est pas très compliqué pendant 120 minutes, là. Je te le dis, là, c'est simple. Quoique dans la simplicité, il y a une certaine complexité. Oh, c'est philosophique! Ouais. Ma te le dire, ma bête. Dis-le moi. Oui. Dis-le moi. Accroche le poteau avec la babine, elle va retomber. Est-ce que c'est la babine qui va tomber ou le micro? Les gens savent pas, c'est de la technique. Ce qu'ils veulent, c'est de l'humour. Ouais, mais on n'est pas capable ce soir. Puis c'est pas vraiment. J'ai demandé à Madame Beaumont. Madame Beaumont, la coordinatrice de la programmation de CKRL, la directrice, qu'est-ce qu'il voulait dire? Mais la directrice, oui, ça c'est, on peut pas te l'enlever. Merci. Enlevez-moi plus rien, regardez, je suis nu. Ben oui, mais là, Tania, rhabille-toi, là, c'est une fille de classe, Tania, là, elle aime pas les vagabonds. Je ne suis point un vagabond, je suis un tout nu. Bon, je sais pas comment on va accueillir ça. On va dire, va te rhabiller, mon blaireau. Alors, pourquoi on parlait de Mme Beaumont, là? Eh, c'est un... Coulisse! Elle ne sait pas, elle non plus. On lui demande pas d'être là pour rien, elle a la coulisse. Elle va nous... Elle nous coulissera pas, là. Hé, coulisse! Oui. Elle n'est pas là. Québec! Bon, hé, mon Dieu. Ça, c'est une oreille presque attentive, ça.
Tout le monde lui dit, vers 3 heures du matin, en sortant de certains lieux publics pas trop fréquentables, « Nomme-en! » Vois-tu, je vais me mettre dans le trou, moi, là. Il y a assez que le crime préfabriqué me cherche et voudrait bien me serrer la pince puis que je parle d'eux à mes ondes radiophoniques, c'est quoi, aérienne? Oh, lesquelles? Arrête de demander des noms, toi, là. Cache-toi. Rendors-toi, là. Mets ta tête, non, je sais pas, dans le micro-ondes. Oh, mon dos! Mets ça à 10-30 secondes. Oh, ça frise! Oui. Voilà pourquoi... Ne laisse pas passer. En parlant de Mme Beaumont, hein? C'est de la fuite. Il y a une fuite à CKRL, là. Une méchante fuite, là. Oh! Il y a le plombier, premier plombier. C'est qui? C'est réel. Oh, mon dos. Ça ne bouchera pas grand-chose à part le créneau horaire minuit 2. Oh! Le vendredi. Oh! Avec une émission pseudo-humoristique. Oh! Prolétarienne. Prolétarienne? Non, non, c'est... je n'ai jamais mentionné prolétarienne, moi, là. Mais, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Par quoi? Par ta signification, la représentation de ton émission. Oh, mon Dieu. Ça, là, ça remonte à très longtemps. Oh, mon Dieu. Avant les pirates et les maboules. Oh. Avant que les boules deviennent pirates. Quoique, toutes les boules sont pirates. Ah, ben là. Faudrait pas s'étaler là-dessus. Étale-toi la boule! Ben, mon Dieu. On voulait me faire un coco. À qui? Tu veux partir? Oui, oui, de la difficulté à me placer en première. Tu as toujours été dernier? Oui, j'ai toujours été. Comment ça, vous savez ça, j'ai été dernier? Ben, c'est dans ton... quand on voit sur Goggle. Oui. Oh, Goggle.fr. Oui. On rentre Rénal Gagné. Oui. Et on voit un désastre. Oh, mon Tout le monde m'a renié. Oui. Mon poisson rouge m'a même renié. Oh! Il est devenu vert. Ah, c'est pas ton poisson extraterrestre? Ben oui. Faut que je vous raconte rapidement ce qui s'est passé. C'est que le 13 janvier 2012, j'étais sur ma galerie en train de prendre un bain de soleil devant un banc de neige qui m'étalait le froid dur et le visage, la chaleur intense du soleil qui ne couvrait plus aucun feu violet. Ah, mon Dieu, c'est pas violet, c'est rouge. Un feu rouge? Ah! Tu t'es arrêté? Ben, j'ai bien vu que la police voulait m'appréhender. Oh! Me donner une contravention. Oui! Et je lui ai dit à la police, et puis c'était une policière, là. J'ai dit, bonjour la policière. Elle dit, oui, votre nom? Oui, moi c'est tout le temps oui, mon policière, oui, c'est oui. Non. Oui! Oui, votre nom? Oui. Oui, non, moi c'est pas non, c'est oui. Non! Ce qu'on veut savoir, monsieur. Oui. C'est votre nom? Oui. Ah, mon Dieu, on a quelqu'un d'assez... Un patient et nous serons impatients. Alors, vous étiez en train de vous faire griller? Oui. Au soleil? Oui. Sur la neige? Ben oui. Je vais vous expliquer pourquoi rapidement. On n'a pas le temps, monsieur. Là. S'il y a des appels urgents, là, un vol, par exemple, un vol à main désarmée. Oh, mon Dieu. Ou, je sais pas... Un rabais dans un restaurant de mer rapide. Oui. Et c'est uniquement ouvert aux policiers. Ouvert aux policiers. Ben oui, il y a des restaurants qui laissent leur place uniquement aux policiers. Ben oui, ça doit pas... Non, ça n'a pas du tout. Alors, on voudrait savoir, monsieur, votre nom. Oui. Hey, monsieur. Suivez-nous au poste de police. Ah, moi, je suis déjà au poste de CKRL. Oh, OK. Le poste de police, vous me dites que... Ah, je vais rien dire encore, moi, là. Oh, mon Dieu. Là, je crois que je suis dans le trouble. Dans un gros trouble. Un sable mouvant. Très, très mouvant. Presque, vous calez. Ah, encore une fois. C'est ce que ma directrice de la programmation m'a dit la première fois. Tu te cales. Puis? Elle me regardait. Elle voulait me filmer. Vous calez? Ça aurait pu faire la une. La une de quoi? Ben, la une de tous les médias. Hey, quelqu'un qui sait qu'il va caler, là, puis qui dit à sa directrice de la programmation, « Filme-moi, Matania. » Oh, mon Dieu! Là, c'est certain que j'ai pas le cheveu voguant. Oh! Je n'ai pas la guitare joyeuse. Oh, mon Dieu! Et j'ai pas la lunette. « Ne laisse pas passer! » OK! Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien! Il se passe rien, madame la police. Vous voulez savoir? Non, là, j'ai fait l'ignorant pendant à peu près 5-6 minutes. Là. Vous m'arrêtez ici?
pas vraiment. J'ai ma carte de membre de CKRL, moi, là. Je suis membre en règle. Regardez-moi ça. Oh, mon Dieu! Excuse-moi, la police, là. La policière, là. J'aimerais avoir un petit renseignement. Non, c'est moi qui pose la question. Ben, écoutez, là, c'est qui paye? Ben, c'est tout le monde. Ah, c'est ça. Mais ben, moi, j'ai une question à vous poser. Allez-y. Oh, mon Dieu! Vous êtes soumise comme le bon pain? Ah, oh, j'adore ça. Oh, ben, on a trouvé la bonne police. Hein? Ah non, non, on n'est pas en train de... Ah, les forces constables... On veut pas vous... Nous ne sommes que des innocents. On veut pas chercher, là. On va partir. Mais je voulais y poser une seule question. Merci, monsieur. Après, on va passer. C'est pas. On n'a pas dit la... OK, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Non, c'est pas... OK. Alors, la police... Si moi, j'ai droit à une contravention, ben, si vous m'octroyez, si vous me donnez une punition qui est une contravention, à mon tour, si vous répondez non, est-ce que ça annule la mienne? Ah, j'ai rien compris. Êtes-vous mal? OK, je vais aller directement. Dirigez-vous directement. Je ne ferai pas comme la Mongole. La Mongole pas si fière, là, qui monte. Comme comment t'appelles ça, donc, un ballon à l'Imoilou? Non, c'est à l'hélium. Ben ouais, mais à l'hélium, c'est pas de tête. À l'Imoilou, c'est... À l'hélium, bon, OK. Dis pas des... Madame la police, oui! OK, je suis pas un membre en règle, là. J'ai jamais été voté de ma vie. Je suis pas dans la liste électorale. Si vous tapez mon nom sur la liste, vous verrez bien. Mais vous, êtes-vous membre de CKRL? Pardon? Êtes-vous membre de CKRL? C'est qui? C'est qui? Non, non, c'est pas c'est qui, c'est CKRL. Vous êtes dans une station de radio, là. Vous voulez que je vous suive dans votre station à vous, ma chère dame, une station qui va accueillir le pseudo-malfaiteur que je suis? J'ai absolument rien fait, moi, madame. J'ai rien à me reprocher, moi, madame. S'il y a quelqu'un à se sentir un peu titillé par la morale, philosophiquement parlant, là, la morale, quelque chose de mauvais, là, le diablotin qui gravite autour de votre tête. C'est vous, madame, qui êtes l'accusé. C'est vous qui êtes pas membre de CKRL. Mais je vous aime quand même. CKRL, cultive tes goûts.